Salut à toutes et à tous, c'est Cardas, on se retrouve aujourd'hui sur TeslaGrad pour une nouvelle vidéo Grand Chelem, comme d'habitude les conseils et les astuces pour les chasseurs de trophées. Alors TeslaGrad c'est un petit jeu indé qui est sorti en décembre 2013 si je me trompe pas. Des conseils aux moins de 7 ans, c'est du solo, c'est de la plateforme énigme et c'est édité, développé par Rain Games. Donc voilà un petit jeu indé très sympa. Je vous laisse. J'ai fait exprès de me mettre sur le menu là pour que vous voyez un petit peu l'ambiance. Je vais vous laisser un peu la musique. Et puis le style en dessin animé comme ça, c'est un jeu plutôt très sympa. Bon, j'hésitais en fait à vous en faire une review rapide, mais bon, ça aurait été une vidéo courte de toute façon. Plutôt on va... Je vais juste vous faire le grand chelem et puis vous donner mon avis dessus. Alors, c'est un jeu de plateforme énigme. Il y a 36 trophées. Alors, j'ai même pas fait de fiche, tout simplement parce que je vais vous expliquer un petit peu le principe du jeu. C'est un jeu de plateforme dans lequel, alors on va aller dans une des premières salles là pour vous montrer, dans lequel on récupère plusieurs objets d'équipement. Alors vous voyez sur mon personnage que j'ai un espèce de gant en fer qui permet de cogner les objets, en bleu ou en rouge. Donc une fois qu'il est en bleu ou en rouge, après il y a l'attirance entre les couleurs qui sont opposées, bleu ou rouge, et puis les mêmes couleurs se repoussent entre elles. Donc après, va falloir jouer avec ça. Vous avez une espèce d'arme à distance que vous récupérez à la fin du jeu qui permet de faire exactement la même chose. Et puis vous avez le capuchon qui permet de faire une espèce d'aura qui attire ou qui repousse au contraire. Et puis le quatrième, c'est quoi? Ah bah c'est un... je sais plus si c'est les bottes ou la ceinture, enfin bref, un élément comme ça qui permet de vous téléporter sur une très courte distance. Voilà, et donc il va falloir vous débrouiller pour résoudre les énigmes et avancer dans les niveaux. Alors les niveaux en fait, non, c'est un espèce de monde ouvert, vous passez de zone comme ça. Mais en fait vous êtes dans un donjon. Et là on est un petit peu dans la colonne vertébrale du donjon, on peut monter très très haut comme ça. Et donc le principe, vous allez débloquer au fur et à mesure tous les éléments du donjon, hein, y a pas de... tous les accès, y a rien de spécifique, vous allez avoir des combats de boss, etc. Donc c'est du classique. Simplement ce qu'il faut savoir pour le platine, c'est que vous n'avez pas vraiment de trophées spécifiques, vous n'avez rien de tout cela, vous n'avez pas de trophées scénario, vous n'avez pas de... voilà. Les seuls trophées que vous avez, alors je vais vous montrer... Alors ça c'est la carte, on s'en fout. Vous avez des espèces de parchemins, des cartes là qu'il faut récupérer. Vous en avez 36 et donc ce sont les 36 trophées du jeu. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de fiche et que cette vidéo va être de toute façon très courte. Une vidéo un peu spéciale parce qu'au finalement j'ai pas grand chose à vous expliquer. Simplement voilà, il va falloir trouver ces parchemins. Et donc ça va vous faire vos 36 trophées. Alors, je me souviens à peu près où j'ai repéré celui qui me manque. Hein. Donc, j'espère que je vais pas trop galérer pour le trouver, c'est tout. Mais donc, voilà, un jeu bien sympa, avec une direction artistique, comme ça, un style graphique plutôt sympathique. Hein. Voilà, c'est des petites énigmes. Et puis... voilà, vous avancez comme ça. Vous avez possibilité de revenir à tout moment dans le donjon. Je ne vous spoilerai pas la fin du jeu parce que je ne l'ai pas faite, tout simplement parce que une fois que vous terminez le jeu, que vous avez minimum 15 parchemins, vous pouvez aller dans la salle qui est à gauche ici pour affronter le dernier boss. Je ne l'ai toujours pas fait, puisque vous avez accès en fait à une première fin du jeu si vous avez 15 parchemins minimum. Si vous allez dans cette salle avec les 36 parchemins, ça vous fait la fin normale. Et donc, moi je me limiterai juste à ça pour pas vous spoiler, parce que c'est un jeu que je vous conseille. Il va falloir peut-être une dizaine d'heures ou une douzaine d'heures pour le faire, ça dépend de votre habileté en plateforme et puis à résoudre les énigmes tout simplement.
Mais voilà, et donc, on s'arrêtera dès que j'aurai le platine, donc dès que j'aurai pris le 36e parchemin, je vous spoilerai pas à la fin du jeu. Voilà, rien de plus hein, par rapport à ça, ça va être de toute façon une vidéo très très courte, je vous donne un petit peu mon avis sur le jeu en même temps. C'est un jeu de toute façon que je vous conseille, il est assez tendu, hein. Il est déconseillé au moins de 7 ans, mais il est plutôt ardu sur certains passages. Les combats de boss, entre autres, sont assez costauds. Il faut essayer pas mal de fois. Alors, il me semble que j'ai repéré, c'était la quatrième porte. À droite, pour le dernier. Donc, c'est assez ardu, ouais. Je crois que c'est celle-là. De toute façon, ça va me permettre de me balader et puis de... De vous montrer un petit peu certaines salles du jeu. Tac. Je crois que c'est par là. Hein. Ouais, c'est ici. C'est ici. En fait, il faut tout simplement réussir ce saut-là. Merde. Ce qui va pas être évident du tout. Hop. Ah bah voilà. Que demande le peuple? Je vais le choper hein, parce que je vais pas redescendre et puis rester là dans la salle 36 ans. Tac. Voilà, donc comme ça c'est fait. Hop, platine numéro je ne sais plus combien, 65 je crois. Quelque chose comme ça. On va se balader. Et puis vous montrer quelques environnements. Alors c'est toujours le même donjon, hein, mais c'est plusieurs environnements différents, plusieurs zones différentes quand même. Après, hop. Vous en avez un là aussi. Il faut vraiment chercher. Donc après, bon, là, de toute façon, on va descendre. On n'a pas de dégâts de chute, hein, pour ceux qui se demanderaient. Mais donc c'est un jeu bien sympa, alors ce que je vous conseille, c'est de profiter vraiment du jeu, parce que, encore une fois, il n'y a aucun trophée qui peut être manqué. Même si vous allez faire la fin du jeu en n'ayant pas les 36 parchemins, du coup vous allez... ils vont vous remettre, alors c'est parce que je me suis renseigné hein, sur le net pour être sûr. Ils vont vous remettre en New Game Plus, donc vous garderez vos éléments d'équipement, les 4 dont j'ai parlé au début. Après, la différence, c'est que les accès seront à nouveau fermés, il faudra rebattre les boss, voilà, c'est tout. Mais en soi, les trophées peuvent pas être manqués, donc... il vous suffit... Ah oui, c'est vrai. Cette zone-là, elle est un peu galère, surtout dans ce sens-là. En espérant qu'on puisse repartir par là... En fait, souvent, ça vous oblige. Voilà, ça vous oblige à. C'est assez ardu, donc ça vous oblige à calculer un peu votre truc, les temps de passage, les machins. Je vais pas m'embêter. On va repartir par en haut. Ouais. C'est par là-bas, je crois bien. Tac. Perdu. Après, peu importe. Donc oui, ce que je vous conseille, c'est évidemment de profiter à fond du jeu. Et de vous balader. De toute façon, vous ne pourrez pas avoir tous les parchemins à votre premier passage. Parce qu'il vous faut les quatre objets d'équipement pour pouvoir... Pour pouvoir tous les avoir. Donc
De toute façon, profitez à fond du jeu, faites le truc, et puis de toute façon, vous allez à nouveau atterrir bah, là où j'ai commencé la vidéo, c'est-à-dire au tout début du donjon, en bas du bâtiment, c'est-à-dire quasiment, enfin au début du jeu, sans parler du didacticiel. Et donc, bah, vous allez ratterrir là-bas. Donc, ce qui fait que, bah, voilà, vous aurez pas de... Merde. Ce qui fait qu'il y a vraiment aucune raison de pas faire le jeu sans se préoccuper des trophées. Hop. Tac. On va repartir par là-bas. Tac. Alors si, je peux vous parler de certains bandages, parce que, enfin bandage, je parle comme Meat Boy, de certains parchemins, c'est que il y en a 2-3 qui sont vraiment costauds. Il va falloir s'entraîner, hein, et puis réessayer un certain nombre de fois, et un nombre certain de fois, il n'y a pas de secret. Donc exemple, tac. Il y en a un qui est par là, voilà. Hop, celui-ci. Il y en a un qui est sur la plateforme juste, enfin, sur l'élément à gauche. Quand vous appuyez sur le bouton, le truc monte. Et donc, il faut vous débrouiller pour monter et passer tous les obstacles. Et passer tous les obstacles à temps. Il faut savoir aussi qu'il y a un passage secret à droite, mais il vous permet pas ici. Mais il vous permettra pas d'aller assez vite pour... Il vous permet, une fois que vous terminez le jeu, que vous débloquez le truc, de pas avoir à repasser, de monter dans les salles plus haut sans avoir à repasser tous les pièges. Mais à cause de cette échelle-là, vous serez pas assez rapide pour choper le parchemin. Donc, vous avez pas le choix. Il va falloir passer tous les obstacles. Alors bah il n'y a pas de secret, il faut tout connaître par cœur et puis monter comme ça. Alors bah voilà, faut essayer un certain nombre de fois, je vais pas le refaire ici. Mais voilà quoi. Pas de secret, alors je sais plus tout. Voilà, et puis il faut pas perdre trop de vitesse en sortant du bleu parce que vous voyez à gauche, il est déjà en train de me rattraper. Et donc vous avez compris le principe. Donc voilà, rien de plus, hein, profitez de l'histoire, profitez du jeu, résolvez les énigmes, prenez votre temps, profitez à fond du truc, et puis bah, après vous repartez dans les salles pour tout simplement bah, essayer de choper ce que vous avez pas pris. Alors par contre, vous avez accès à la carte du jeu que vous pouvez dévoiler comme ça. Alors tous les éléments blancs là comme ça, ce sont les liaisons, les passages entre les différentes zones. Exactement comme il y en a un là, hein, par exemple. Ça, c'est considéré comme un passage entre deux zones. Et donc, bah, tout ça pour vous dire que sur la carte, les parchemins ne sont pas notés. Vous avez moyen de trouver sur le net hein, la carte avec les éléments de parchemin notés. Donc ça, y a pas de souci. Mais sur la carte dans le jeu, vous n'avez pas. Par contre, après, une fois que vous êtes à côté, vous venez ici et puis vous voyez ce que vous avez récolté ou non. A savoir que chaque triplé de cartes, enfin de parchemins, sont à peu près dans la même zone et sont sur un même thème. Vous voyez qu'elles ont des couleurs différentes, enfin des choses comme ça, et elles vont toujours par 3. Donc elles sont généralement dans les mêmes zones. À chaque fois, et dans les trophées vous les trouvez comme ça aussi, c'est à dire que les titres des trophées sont approchants, sont sur un même thème et par groupe de 3, donc vous voyez ce qui vous manque et vous en déduisez à peu près la zone du donjon dans lesquelles vous pouvez les trouver. Voilà, du coup bah, rien de plus hein. Évidemment ça aura été une vidéo très très courte, je vous aurais pas montré grand chose. Simplement, bah voilà, il n'y a pas vraiment d'astuce, hein, donc moi j'en fais une vidéo parce que je suis chasseur de trophées et que j'aime bien ce genre de vidéo, même si c'est vrai que ça s'y prête un peu moins parce qu'il n'y a pas d'astuce vraiment à avoir,
Simplement, bah, il faut chercher. J'ai pas envie de vous donner toutes les réponses, des parchemins, des trucs comme ça, parce que bah, ça vous enlèverait le plaisir du jeu. Donc au final, je préfère faire une vidéo plus courte. Et puis bah, voilà quoi. Ça serait. Il faut que lui aille là-bas. Vous avez compris le principe, hein. Après, par exemple, ben voilà, cette première zone, au début, vous n'avez pas l'aura qui vous permet en sautant d'être repoussé par cet élément-là. Et donc ben, vous n'avez aucun moyen d'aller dans la zone du haut. Alors, évidemment, faut réussir. Voilà. Et donc, ben, forcément, ici, tac, vous le mettez en bleu. Ça vous permet de monter là. Et ici, il me semble, je sais plus, où c'était juste en dessous. Enfin bon, vous avez un parchemin. Donc, vous avez forcément des zones où, qui seront pas accessibles dès le début. Donc après, bah, à vous de voir à peu près comment vous en sortir. En sachant que les premières zones du jeu, évidemment, sont pas très retorses. Hein, mais il y a une courbe de... Il y a une courbe de progression assez bien maîtrisée, donc il n'y a pas beaucoup de frustration, à savoir que bah, en tant que jeu de plateforme quand même assez costaud, il va falloir de toute façon, il faut s'attendre à réessayer quand même plein de fois un certain nombre de séquences, parce que certaines énigmes sont retorses, non seulement... C'est pas tellement que la solution est difficile à trouver, mais simplement qu'il faut avoir aussi un très bon timing à pas mal d'endroits, qu'il faut du coup connaître par cœur l'agencement des pièges, parce qu'il y en a pas mal par rapport à d'autres jeux d'énigmes. C'est aussi vraiment un jeu de plateforme, une forte composante de plateforme, et donc il y a pas mal de pièges partout. Donc il va falloir connaître par cœur le mouvement des pièges. Ça du coup ça peut être un peu frustrant. Vous avez les combats de boss qui sont costauds, il faut connaître leur pattern, parce que voilà, comme des jeux de plateforme à l'ancienne, pour pouvoir les battre il va falloir connaître un peu par cœur tout leur schéma, et donc voilà, mais c'est plutôt pas mal. C'est un jeu très réussi que je vous conseille, donc et puis ben voilà, je vais pas vous dire que j'espère que ça vous aura été utile, parce qu'il y avait vraiment pas grand chose à dire sur ce jeu. Simplement voilà, si vous avez un doute par rapport à éventuellement si vous comptez le prendre ou pas, je sais pas à quel prix il est vendu, mais moi je l'avais eu gratuit avec le PlayStation Plus. Et ça vaut largement le coup. Alors après je sais pas combien il est vendu de base, mais c'est un petit jeu bien sympa que je vous conseille. Voilà. Donc bah si vous avez une question, oui, par rapport au jeu, si vous n'êtes pas sûr de vouloir le prendre et tout, n'hésitez pas dans les commentaires. Par rapport à certains parchemins que vous avez du mal à choper, éventuellement, tant que le truc est chaud dans ma tête, il n'y a pas de souci. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.